Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour un nouvel épisode Let's Play spécial multi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Shannan. Comment ça va, mec? Ça va. Alors, on se lance une petite partie d'Endless, là. Moi, j'ai pris les déchus. Hein, je voulais essayer, c'est une faction un peu spéciale qui ne consomme pas de la nourriture, mais de la brume. Ils bouffent de la brume, donc c'est à moi d'utiliser cette ressource pour faire grandir ma population. Puis toi, t'as pris qui? Moi j'ai pris les clins, en français les clins, je sais plus les clins quoi, mais bref c'est les marchands, les ceux qui, comme par exemple une de leurs capacités c'est sur le marché, ouais. Je peux voir toutes les transactions de tous les autres joueurs et j'ai une certaine partie de l'argent qui me revient. Ah d'accord, donc toi tu vas devoir développer ouais. Le système financier, le commerce, tu peux te faire du fric là-dessus. Ouais, moi je suis le marchand parce que voyez-vous, j'aime l'argent. Ok, d'accord, bah alors il faudra qu'on reste potes. Hein. Ouais. Bon, alors moi il faut que je mette ma première ville là où il y a de la bouffe, enfin de la brume en fait. Oui, moi je préfère prioriser la construction, là, je sais plus comment ça s'appelle, la production. Ah ouais, là j'ai une bonne zone. 13 d'industrie, 3 de science et 14 de brume. Ça paye. Ouais. J'ai une ruine de temple, peut-être je devrais mettre ça ici. Ouais, bah moi j'ai construit ma première cité, là j'aime pas attendre. Ouais, moi je suis bien au centre de la province, là on va construire comme d'hab le monument au fondateur. Ouais, puis l'hôtel de la monnaie, ça va être bien pour moi ça. Et puis on verra pour la suite. Bon, je me suis... J'ai pas réussi à décider parce que j'ai plusieurs endroits spéciaux qui donnent plusieurs bonus que j'avais jamais vu. J'imagine que c'est venu avec l'extension. Oui, c'est possible. Il y a pas mal de petites nouveautés à ce niveau. Toc, toc, toc. Moi, je construis les mines. Voilà, comme ça, c'est bon. J'ai toujours pas construit ma ville, par exemple. J'ai passé mon tour... On peut support. Ah oui. Ouais, ouais, c'est écrit que j'étais attendu. Ah ouais. Clan est rare, c'est ça. Inconnu. Okay. Nouvelle 4. Donc. Je vais me poser ici. Moi, j'ai mon armée qui est ici. Et je dois aller où? Ici. Il veut pas venir faire le monument fondateur. Derviche, c'est bon, t'as pu construire ta ville? Ouais, moi c'est aussi une particularité des clans ERA. Les villes peuvent être déplacées après la construction. Déplacées, ouais, parce qu'en fait, c'est des villes construites sur une sorte de gros scarabée. Ah, d'accord, j'avais jamais joué cette faction. Mais je sais pas ce qui arrive avec les bâtiments si je déplace ma ville, par exemple. Ah bah voilà, là maintenant je dois filer 52 brumes pour avoir la population. J'étais en train de vouloir déplacer mon ouvrier sur la production de nourriture, je dis mais pourquoi c'est grisé quoi. Donc manger de la brume, voilà, je passe à 2. Vous êtes attendu, messieurs. Ouais. Okay. Ouais, tranquille, hein, tranquille. Ah, j'ai pas mis de technologie, par exemple. Qu'est-ce que je mets? Moi, je trouve ça assez important d'avoir l'extracteur de teinture d'émeraude, d'or, etc. Avoir les ressources de luxe pour pouvoir vite les cultiver et puis profiter des bonus. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est... Moi, je vais me concentrer sur l'argent, surtout. Puis je vais peut-être essayer de voir les actes légendaires, que j'ai encore jamais joué avec ça. Ouais, moi j'y arrive presque jamais, quoi. Bah d'ailleurs, un de ces actes légendaires, c'est le moissonneur de richesses. Soyez le premier à activer 3 boosters de ressources de luxe pour gagner la récompense. Ouais. Et puis, je sais pas ce que c'est la récompense, mais t'en as une. Alors là, il faut que j'aille ici. Des sœurs de la miséricorde, super. Des justicières au soutien.
Alors, recherche. Ah mince, j'ai pas rempli les conditions de quête. C'était quoi ? Avec au moins 3 unités d'infanterie, évidemment. Village de creuseurs, soit pacifié. Il y en dit vraiment long. Sur ma première quête, j'ai comme un paragraphe de 400 mots, je sais pas. Tu dois faire quoi ? En fait, au final, je dois juste pacifier des villages de creuseurs, mais c'est parce que le paragraphe comme de background qu'il y a au début, là, c'est vraiment le plus long que j'ai vu à date, je pense. Ok. Bon. J'ai trouvé un objet. Allez, l'éclair vaillant. Okay. On va se promener un peu. Voilà, c'est bon. Ouais, moi j'ai. Il me faudra 111 pour avoir un nouveau citoyen là. Moi j'essaye de faire un colon à partir de 4 ou 5. Donc, toi, comment ça marche tes citoyens là? Faut que je leur donne de la brume. Ouais. Puis comment tu fais ça? Juste avec ta production de brume ou faut que tu payes Exact. Ah, c'est un peu exponentiel. Une nouvelle quête. 40 unités d'industrie dans l'une de vos villes pendant 10 tours. Ok. Puis là, j'en suis à combien? À 17. Ouais. Faut que j'aille plus de citoyens, en gros. Puisque j'en ai mis un en production tout court, puis un en production de brume. On fait 31 par tour. Donc il me faudra combien de tours pour 31, 3 tours, un peu moins, ouais 3 tours, 2 tours. Il va effectivement me falloir des extracteurs bientôt, j'ai déjà une quête qui me propose de, en fait qui me demande d'avoir 2 extracteurs de ressources de luxe. Ouais, j'ai des pierres de sorcier, j'ai deux tours, du grès. Ça faudrait que j'exploite. Monument fondateur, très bien. Ah non, il me faut encore 2 tours de plus. Pardon, tu disais? Ah, je sais plus. Ah non, j'ai plus dit un truc. Les ceratanes. Ah, je sais plus lesquels ça. C'est pas les araignées, ça? Ouais, c'est des sortes d'araignées. Enfin, ah bah tiens, je viens de trouver un IA qui est la même faction que moi. Ah ouais? Ouais, un autre clan era. On les a à double. Va falloir que j'aie le monopole. Ah merde, il me faut un tour encore. Ah, j'ai fini ma recherche. Faire les extracteurs. Voilà, moi j'améliore mon héros. Ouais, moi aussi. J'ai pas vu ses caractéristiques d'ailleurs. Baron Jocelyn Deval, seigneur déchu, niveau 2. Ok. Et puis ma recherche, j'en suis où? Mine à ciel ouvert pour les extracteurs de teinture d'émeraude, d'or, d'épices et de vin. Je crois que j'ai pas vu de ces ressources là sur ma province. Faut que j'explore un peu. Ça c'est quoi? Dune de sable. Ah, il faut que je pacifie des virages. Des villages. Ouais. J'ai jamais fait avec les points d'influence. Enfin, tu peux faire pacifiquement ou. Je leur roule toujours dessus. Tout ouais, simplement. Il faut débloquer une technologie. Ouais, je sais plus laquelle c'est. Ok. Le tour avance. Alors, tac. Ah, les mines à ciel ouvert. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Bah, j'ai rien. Bon, moi je vais déjà faire l'extension de ma ville. Où est-ce que ça moi je l'ai déjà commencé. Ouais. Non, là-bas. En plus, j'ai un bonus en... Ah, je peux mettre une population en plus.
D'accord, niveau production, c'est pas trop mal. J'ai l'hôtel de la monnaie en route. 37. Ça, c'est quoi cette faction? Ah, c'est encore des sœurs de la miséricorde, il n'y a que ça ici. Des petites ruines. Ah merde, je suis pas assez trop loin. Ah, j'avais pas vu que j'étais attendu. Ah ouais. C'est écrit, vous êtes attendu. C'est pas le plus clair, je veux dire, c'est pas si facile à voir que ça. Ouais, parce que c'est ça, toi tu fais ton action, t'es prêt et tout, puis après tu vérifies à gauche à droite, mais t'entends à peine un petit bruit. Ah merde, je suis con. Je voulais aller là. De toute manière, j'ai bientôt mes colons qui vont se construire, faut que je retourne. Enfin, mes colons, mes soldats. Moi, j'ai une quête secondaire hein, aussi. Je dois amener l'Empire à 40 de production. J'en suis loin. Ça, c'est quoi la couleur de ton Empire? Je suis orange. Ah, bah voilà. Bah, on est voisins. Ah oui? Oui, on se touche là. Toi, c'est au nord-est de ton territoire. Il y a juste à la frontière un petit village Jetus. Je vois pas, mais j'ai peut-être juste pas exploré encore. Au nord-ouest, tu dis? Nord-est. Nord-est. Ouais, si je dis pas de bêtises, ou à l'est, hein. Est, nord-est. En tout cas, je suis quand même un peu au nord, oui. Peut-être qu'on est juste à côté, je vais aller voir plus en bas. En haut, haut, il y a mon autre, le voisin qui est rouge, qui est un autre clan errant. Ouais. Sinon, en bas, j'ai pas encore visité, donc je vais aller voir. Ok. Bah écoute, ouais, moi, la province que j'explore s'appelle Naclaran. Naclaran. Ouais, c'est normalement à l'est. Je vois pas de Naclaran. La capitale, moi, c'est Uraleb. Uraleb, d'accord. Bon, bah, je viendrai te visiter dans pas longtemps. Amicalement, hein. Ah, des Jetus. C'est ça que tu disais qu'il y avait, je pense. T'es bleu, toi? Oui. Ah, bah ouais, on est effectivement juste à côté. Bon. Très bien. Okay. Est-ce que je peux accroître la population à 175 quand même? C'est au prochain tour. Okay. J'ai pas de... J'ai rien à exploiter dans le coin. Ah mais quand tu produis un colon, ça t'enlève une population, non? Quand tu fais un colon? Ouais. Ouais. Donc théoriquement, j'aurais meilleur temps d'attendre que le colon soit fait et que le prix descende. Je pense que c'est mieux, j'imagine. Qu'est-ce que je recherche? Ah, je dois amener mon seigneur déchu encore. Ah voilà, salut Shannon. Ouais. DRK. Tiens. Qu'est-ce que tu m'envoies? Alors, bienvenue, bonjour, ouais, bon, d'accord. Ah, tu fais des compliments, hein. Ah ouais. Allez, je fais plutôt des compliments que des calomnies, je pense. Ok. Ah bah voilà, t'es là avec ton truc. Coucou. Sœur de la miséricorde. Tac, tac, tac. Ouais.
Ça te fout dans la merde si je colonise au sud, t'as des terres de l'autre côté ou... Je sais pas, mais présentement, moi, je vais aller au nord parce que je veux tuer l'autre marchand, parce que je veux être le seul et unique marchand. Ok, Je veux parce le que monopole. là, il y aura du gisement de verre d'acier juste à côté, donc ça m'arrange. Parce que j'en ai pas chez moi. Ah mince, d'ailleurs, il est fait mon colon. Ah, mes croisés. J'ai fait des croisés, c'est vrai. Donc là, on va utiliser ça pour aller accomplir la quête. Ah mais je croyais que je faisais des colons, mais en fait je me suis trompé, c'était pas des colons. Bon. 4. Un peu de prod quand même. As-tu Voilà. déjà réussi à faire passer un centre-ville au niveau 2 en allant les quatre quartiers autour? Non. Non, je suis pas allé très loin en fait dans le jeu. Ouais, moi non plus je suis pas allé, ben, en tout cas pas jusqu'à ce point-là, donc. Des R6. Cavalier. Qu'est-ce qu'il Stratégie peut... d'Empire, ok. Ah, j'essaye de voir ce qui peut me donner plus de brume, mais finalement, à quoi brume ici? Je suis pas vraiment près de l'eau là. Enfin, ça va prendre du temps. Ah, d'ailleurs, je peux faire un extracteur de titane. C'est bon. Des perlemousses. Quoi? C'est pas bon? J'ai toujours pas trouvé de. Bah, j'ai pas l'impression que j'ai des ressources. Comment qu'on appelle ça? Les ressources rares, là, les ressources de luxe dans ma première ville. Voilà, moi tu peux en obtenir par des récompenses, mais j'ai rien pour produire là pour l'instant. Là, je viens de Je recevoir commence du à vin. pas trouver. Évolution. Ça veut dire que je peux faire une autre. Je dois récolter 100 brumes et réessayer d'ouvrir le portail. Bah là, je peux normalement. Ah si, non, ok, je peux faire une. Ah bah voilà. De la teinture. Je vais pouvoir faire de la teinture. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. Moi j'ai fait une petite bataille rapide. J'ai gagné un Ah oui? archéologue. La nouvelle quête recherchée. 8 technologies de l'ère de recherche 1. Ok, j'aurai du titane. Tiens, il y a encore moyen de gagner des choses. Eh ben. Très bien. Je vais aller visiter par là un peu. C'est un tout petit territoire, ça, c'est ridicule. Ah, j'ai pas beaucoup de points d'influence là. Je suis à 26 à peine. Moi j'ai 18 plus 2 par tour. Ouais, 26 plus 2, mais c'est pas, c'est misérable. Des ours. En brume. D'accord, les sans-yeux. Et de la brume, ça c'est cool. Ça combien le cinquième? 239. Bon. Tour. C'est quoi le classement? Bah, on se tient tous à peu près en 10 points, quoi. C'est où le classement déjà? C'est quand tu mets ta souris sur l'icône de passage de tour, là. Voilà. Bon, il y a les Draken qui me font des compliments. Oh mince, j'ai mis fin de tour, je voulais pas. Ah, Bon, je bon. crois que j'ai pas grand-chose à faire, mais si, je peux toujours me déplacer. Ouais. 2 secondes, donc. Ok. Non, pas fin de tour. Allez, hop. Et... Ruine, elle me rapporte 30 brumes. Ah, je peux tout juste pas. Non, 239. Acier. Okay. Ah, d'accord. Ça continue. Tiens. Bon,
Pas de point unique. Qu'est-ce que tu marmonnes? Ah, non, j'ai un bâtiment. J'ai un bâtiment unique qui est le centre d'élevage. Ouais. Qui permet d'avoir plus de nourriture. Ouais. Ah, moi je pourrais faire le musée d'Origa, mais ça va prendre 22 tours. Ça, c'est un des trucs légendaires. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien essayer de le faire. Mais ça prend de la. Du titane. Ouais. Quoi que je pense, je peux en acheter. Ouais. Ouais, moi j'ai déjà accès à tout le marché, en fait. Je peux déjà acheter les unités, les héros, les réserves, les ressources de luxe stratégiques. Ah non. Alors moi, il faut que je construise le marché pour ça, puis... Ouais, c'est ça. Faut découvrir marché des mercenaires et monnaie impériale. J'avais pas passé mon tour. Ok, oh. Extension urbaine terminée. Ah. Ouais, je suis comme ça. Ouais, moi je mets ma stratégie dans la production de brume. Encore 30 brumes. Donc, faut que j'aille pacifier des villages, moi. C'était quoi mon autre quête? Ah oui, les extracteurs. Il me faut deux extracteurs. Ça veut dire, vu que j'en ai juste un ici, il va m'en falloir un autre. Dans une autre ville. Ouais, moi j'ai pas en construire un. Enfin, je suis en train d'en construire un. T'as-tu commencé à faire un premier colon, toi? Oui. Ouais. Je pense pas que les autres ont déjà fait une ville. Ah, mais on est tout collé, hein. Il y a les rouges, là. Je sais pas, hein. Juste au nord. Ouais, ouais, les rouges. Ah, ben, les rouges ont déjà deux villes, en fait. Allez. Le rouge. Ah, ça leur fait un score de 62, ce qui est inférieur au nôtre, avec une ville, bon. Dans Civilisation, en début de partie, ça te donne pas mal de points au classement des villes. Toi, tu as joué à Civilisation? Ouais, ouais. J'ai joué au 5 puis à Beyond Earth. Ouais, parce qu'il a été pas mal comparé ce jeu à Civ. Bof. Bah, c'est assez semblable. Ouais, oui. Enfin. Mais pas du tout dans l'ambiance, quoi, ça c'est clair. Non, c'est sûr, c'est pas la même ambiance. C'est justement ça son point fort. Ouais, moi je trouve aussi que ce qu'il y a d'une grosse amélioration par rapport à la civilisation, c'est sa diplomatie, de la manière qu'il est géré, que je trouve beaucoup plus utile et intéressante que dans Civ, où il n'y en a pratiquement pas. Là. Ouais, t'as raison. C'est assez stéréotypé sur Civ. Là, j'ai pas beaucoup exploité ça encore. On verra dans la partie solo, mais. Ouais, il faut investir des points d'influence en fait. Ouais, c'est ça qui est. C'est le principe général, ouais. Non, qui est quand même une idée intéressante, parce que comme ça, tu peux pas juste briser des alliances comme ça de nulle part. C'est plus compliqué que ça. Mais... Donc ça donne plus d'importance à la diplomatie. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Tac, il y en a qui traînent. Ma recherche est bientôt finie, oui, deux tours. Moi, je suis en train de rechercher des militaires, là. Les armes de palien, waouh, peut-être pas tout de suite. Ah bah, pardon. Faut me dire quand tu termines le tour, des fois, j'oublie. Ah, ouais, mais non... Ça va, de toute façon, je vais regarder autre chose. Un tour avant de pouvoir faire ça. Ah merde, bon. Je comprends pas, ça bug les combats. Je les fais automatique là, mais. Il y a le Marquis de Syrah qui commente très souvent les vidéos qui me dit que j'ai du bol en manuel. Enfin, en automatique, mais c'est vrai que là, les ennemis sont tellement faibles en face que. Mais deux, trois fois, je fail.
quand le combat il a l'air déséquilibré, j'essaye quand même de faire en manuel. J'avoue que j'ai pas encore moi non plus totalement compris comment ça marchait, mais j'en ai fait quelques-unes, mais c'est un peu spécial quand même comme, comme combat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, moi j'ai mon colon qui est prêt le tour prochain. Je vais peut-être mettre un petit peu plus dans la production maintenant. Ok, ça, ça va bien. Bah, une extension urbaine, je peux en faire une deuxième. Ouf. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok. D'ailleurs, dans ma file de construction, ouais, il y a les extracteurs. Je pourrais accélérer. Nickel. Bon, ça retarde d'un tour pour mon colon, c'est pas grave. J'ai essayé de me faire un village. Ben oui. Moi, j'ai soudoyé un village en lui donnant de l'argent. C'est plus rapide. Surtout quand il y a juste un village dans la zone. C'est plus pratique. Non mais là tu vois j'ai 3 croisés plus 2 renforts de milices, c'est réglé quoi. Ouais aussi. Ok. Ok. Ah bah nickel. Mmh. Très bien, donc. Bah moi je quand me balade plus avec mes colons à poil hein. je me fais trop ouais. Buter mes colons. Moi s'il faudrait je m'en fasse ça. En fait il est déjà en construction. Bon je tente de construire le musée de Riga. Je te vends l'info. Ah, il faut 5. Oh non, pas l'hiver. Ah, ouais. Ah oui, je pouvais activer le booster de 20, j'avais oublié ça. Ça fait quoi d'ailleurs? Plus 30 de... sur les villes. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, ça va. Je vais garder ça en réserve. Ok. Ça dure entre 1 et 11 tours, là, ce machin d'hiver. Quoi ça, 11 tours? Tu vois, en bas à droite, c'est écrit 1-11. Ah oui, oui, oui. Et à chaque tour, ça diminue, donc ça peut durer un tour encore, comme 11. Ouais, c'est aléatoire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dispo ? Je vais faire la... Ah ouais, puis pour me rendre compte, là, maintenant, en hiver... Ouais, il n'y a pas beaucoup de production, en fait. Oui, oui, mais pas c'est... de production. Je sais pas trop, du coup, où je dois me mettre. Bon, il me faut... Bon, on va continuer à avancer. Ouais. On va espérer que l'hiver passe vite. Si t'appuies sur F, t'as la production de toutes les cases, c'est assez utile. Ouais, ouais, c'est vrai. Je savais pas que c'était F, mais... Enfin, je pense que c'est par défaut, parce que je l'ai pas bindé, cette touche. Ouais, ouais, bah, je viens de le faire, puis c'est effectivement F, mais c'est parce qu'il y a aussi un bouton sur le petit rond en bas qui permet de, oui. De faire la même chose. Ouais, c'est vrai. En fait, je vais aller explorer par là-bas. Tac. Comment ouais. Je pourrais faire? Moi, je m'apprête à construire la deuxième ville.
Mais je sais pas si je vais le faire pendant l'hiver, ça serait bien que ça s'arrête genre maintenant. Non, ça sera pas maintenant. Ah, il y a un peu de tout ici. Pas trop. Ouais, s'il y a deux de production en hiver, ça doit être super en été. Hein. Allez. Puis ça m'a permis de gagner une quête. Ok. Bah, très bien. Bah, écoute, Shannon, juste à la fin de ce tour, je te propose qu'on va arrêter pour ce premier épisode multiple. Ça fait une bonne grosse demi-heure qu'on enregistre. Ok. Hein? Et puis bah, voilà, finis seulement tes actions, comme ça on terminera à la fin du tour, enfin au début du prochain, avec toutes nos actions qui sont faites. Moi Ouais. d'ailleurs, il faut juste que je lance 2-3 constructions avant. C'est quand même extrêmement cher pour acheter un héros. Ah ouais, clair. Très bien. Ok. Ok, donc Voilà. j'ai Bah passé le écoute. tour. Ah, Nouvelle... et Oui? l'hiver qui s'en va en même temps. Ah bah magnifique, ça fait un bon retour pour le prochain épisode au printemps, enfin en été. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, hein, Shannon. C'était cool. Ouais. Et Oh, puis. bye et au prochain épisode. Bah c'est clair. On va enchaîner ça tout de suite à mon avis. Mais bon, il faut pas le dire ça. Allez, ciao. Salut.